Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Grande Analyse, cette émission que nous vous présentons, que nous avons l'habitude de vous présenter chaque jour, cette émission qui est au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Spéciale pourquoi ? Parce que le 15 août, c'est le jour où je suis né. Donc, je suis très heureux de vous présenter cette émission. Le jour de ma naissance, je rends grâce à Dieu parce que sans sa main sur notre vie, on ne peut rien. Je rends aussi grâce à mes parents qui ont voulu que je vienne sur cette terre. Le 15 août, c'est le jour où votre humble serviteur Alain Goma a vie. Le jour, sur ce plateau, j'ai un invité, un habitué de cette émission. On devait avoir deux invités, mais l'un a désisté. Comme il l'a fait hier, il s'agit bien de l'un des communicateurs du parti LGD de Martin Fayulu, à l'occurrence, M. Joseph Edeba, qui a promis d'être là parce que autour de cette table, on doit aussi parler d'un sujet qui va toucher le président de son parti, mais dommage qu'il ne soit pas là. Mais nous retenons deux sujets auxquels nous allons débattre sur ce plateau avec mon invité. Il s'agit là de la table ronde sur l'état de siège au nord et au nord Kivu et à Mitouri, et puis les élections. C'est vrai que le train est en marche, nous sommes à 4 mois. Des élections, de souffrir qu'à chaque mission que nous puissions parler des élections, parce que chaque jour il y a toujours une nouvelle donne qui s'ajoute au processus électoral. La CENI AI a publié les candidatures retenues pour les députés provinciaux, les députés nationaux. Nous en avons 23 653 pour 500 sièges. Est-ce que la politique reste le meilleur business en République démocratique du Congo ou c'est parce que la loi n'empêche pas à quiconque de postuler? Ce sont des questions que nous allons débattre autour de cette table avec notre invité monsieur Dany Tshamala, qui est analyste politique indépendant. Vous êtes habitué à le voir sur ce plateau. Je lui avais fait appel parce que on devait débattre avec ces cadres de LGD de la situation de Matata. Hier, on nous a dit qu'il ne pouvait pas être jugé. Aujourd'hui, il est quelqu'un qui peut être déféré devant la justice pour être jugé. C'était autour de ça que nous devions parler avec ce membre de LGD. Mais comme il n'est pas là, nous allons faire un débat à sens unique. S'il veut nous suivre, qu'il y a moyen de faire un droit de réponse, nous sommes là. Venez faire le droit de réponse parce que ce sujet de Matata Ponyo fait couler encre et salive depuis la dernière sortie médiatique du professeur Louzo Lobambi. Monsieur Dany Tshamala, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Non, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je profite de votre micro pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Surtout que c'est une journée spéciale pour vous. Ça sera aussi une émission spéciale, comme vous venez de le dire. Vraiment. Je salue aussi tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre durant les 45 minutes que nous allons débattre sur certains sujets qui sont retenus par vous. Je suis en train d'encourager aussi nos compatriotes de l'Est, de partout en République démocratique du Congo, qui suivront aussi cette émission, qui nous permettra de témoigner aussi notre soutien à tous ceux qu'ils connaissent comme difficultés. Et aussi, ça sera une façon aussi d'encourager notre gouvernement par rapport à tout ce qu'il fait pour mettre fin à toutes ces atrocités qui ne cessent d'endeuiller les familles congolaises, et d'encourager aussi le président de la République, le président de la CENI pour sa détermination pour l'organisation des élections crédibles, et aussi d'encourager nos compatriotes afin que nous puissions soutenir notre pays, afin que nous sortions de cette histoire de dépendre toujours de l'extérieur et de subir toujours la pression de l'extérieur pour faire quelque chose, et nous dire effectivement que la question des élections, c'est une question de la population congolaise, ça ne relève de qui que ce soit, et que nous devons aller de l'avant, inviter aussi toutes les classes politiques de mettre
les batteries en marche afin d'affronter les élections qui se pointent à l'horizon, afin de renouveler la classe politique, telle est la volonté du président de la République. Merci beaucoup. Voilà, nous attaquons directement le sujet de l'élection. La CENI a retenu 23 653 candidatures pour 500 sièges. La politique reste le moyen le plus sûr pour avoir de l'argent en République démocratique du Congo, parce que, de fois, nous apprenons qu'il y a des lois qui sont soudoyées. C'est vrai que nous sommes dans le conditionnel, mais est-ce que la politique reste le moyen le plus sûr pour s'enrichir en République démocratique du Congo? Je dirais non, d'entrée de jeu, parce que ce que nous devons savoir d'abord, c'est que le 23 000 quelques candidats retenus pour les élections législatives en République démocratique du Congo montre tout simplement la grandeur de notre pays. Parce que ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo avoisine 110 millions d'habitants pour le moment. Donc, c'est-à-dire, si nous avons 23 000 candidats pour 500 sièges, c'est toujours insignifiant. On pouvait en avoir 50 000, 100 000, parce que mettons-nous en tête que nous sommes au-delà de 100 millions d'habitants. Avoir aujourd'hui 23 000, cela ne veut pas dire que nous sommes allés au-delà. D'ailleurs, il fallait que nous ayons 100 000 ou 50 000 candidats qui peuvent concourir pour ces postes-là. Et aussi, nous devons nous dire aussi que en 2018, il y avait certains candidats ou certains Congolais qui n'avaient pas 18 ans, qui aujourd'hui ont déjà 18 ans ou plus de 18 ans. Donc, il y a d'autres qui étaient encore à l'école, il y a d'autres qui étaient encore à l'université et ils ont terminé leurs études. Et aussi avec le souhait du président de la République de renouveler la classe politique congolaise, parce que celle que, qu'on avait était, toujours, était déjà vieillissante. Alors, vous devez comprendre que le fait pour les Congolais de trouver aussi que la politique est devenue quand même aussi abordable, du fait qu'il n'y a pas trop d'assassinats, trop d'emprisonnements, trop de tout ça. Lorsque un terrain est bien aménagé, tout le monde cherche un peu à y mettre le pied. Et c'est ça aussi ce qui fait que tout le monde cherche aujourd'hui à devenir député, parce qu'ils ont trouvé qu'il y a un bon traitement pour les députés, il y a un bon traitement, il y a un bon traitement. $23 000. Il y a un bon traitement pour ceux qui sont dans le monde politique. En dehors de tous les avantages possibles qui peuvent venir. Oui, en dehors de tous ces avantages-là. Donc, moi d'ailleurs, je suis en train de voir qu'il faut toujours faire mieux pour que notre pays. Parce que peut-être que les gens ne connaissent pas qui est un député. Un député, c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup plus respecter. C'est la population qui ne connaît pas, ou c'est la manière de ces honorables députés congolais, c'est leur manière de faire qui fait en sorte qu'ils soient des fois désapprouvés par la population? Je ne cesse jamais de le dire que nous sommes à notre quatrième cycle électoral. C'est-à-dire que la première fois, les gens voulaient d'abord voir comment les choses se passent. La deuxième fois, les gens disent que bon, ça s'est bien passé, quand même, on peut améliorer là où il y avait des failles. La troisième fois, ça devient d'habitude. Et maintenant, nous sommes notre quatrième processus. C'est-à-dire que nous sommes maintenant habitués à organiser les élections et les gens ont vu le comportement des députés. On pouvait dire peut-être pendant la période 1 plus 4 que les députés étaient en train d'apprendre. Pendant la période donc 2006-2011, les députés se débrouillaient un peu par-ci par-là. Il y avait des failles qu'il fallait toujours corriger. 2011-2018, donc on a vu comment les choses se sont passées. Et 2018 jusqu'en 2023, nous voyons comment les choses sont en train de s'améliorer au niveau de l'Assemblée nationale. Et maintenant, nous voulons quand même apporter un vent nouveau dans cette Assemblée nationale pour que nous ne puissions pas rester toujours avec les mêmes figures, avec les mêmes pensées, avec
avec les mêmes choses, vous allez voir qu'on ne va pas beaucoup plus évoluer. Il faut maintenant amener des innovations, même au niveau de la législature. Il faut essayer quand même d'apporter des lois qui cadrent avec notre réalité. Puis, il faut s'adapter aussi à l'évolution du monde. Parce qu'on ne doit pas garder les lois qu'on avait de 1960, lorsqu'on n'avait pas encore la connaissance de l'Internet et tout ça. Mais nous devons évoluer, nous devons changer beaucoup de choses. Et cela, ça demande aussi un vent nouveau qui doit être amené au niveau de l'Assemblée. C'est ça ce qui amène à ce que beaucoup de jeunes gens puissent aussi postuler. Beaucoup de ceux qui étaient à l'extérieur aussi d'autant pas que l'avènement du président de la République, Félix Tshisekedi, le fait pour lui d'accéder au pouvoir, ça a amené les Congolais de la diaspora qui doivent venir, ils ont trouvé que, oui, ils doivent postuler, ils ont trouvé que leur pays est devenu vivable. Alors, tout ça, ça concourt à ce qu'il y ait beaucoup de candidats et que les gens puissent voir que nous devons servir aussi le pays en tant que députés. Vous avez... Et dans les 23 000, je ne pense pas que tous ces 23 000 seront députés. Il y aura 500 et le reste, ils vont servir l'État à autre chose. Vous avez parlé du rajeunissement de la classe politique. Ouais. J'ai vu sur la toile, plus de jeunes ont postulé. Et leur slogan, c'est « Jeunes, votez jeunes ». Certains regroupements de jeunes parlent de « Batatanwana, Bazongali Soussouté ». Est-ce que pour rajeunir la classe politique, il faudra seulement que tous ces vieux partent et que les jeunes prennent la place, ou le rajeunissement de la classe politique doit se faire sur le plan mental? En fait, le problème, c'est que ce n'est pas par rapport à ces slogans que nous pouvons voir dans des partis politiques sur la rue ou quoi que ce soit. Nous pouvons seulement nous dire nous-mêmes présentement là en face que la plupart de nos politiciens sont déjà vieux. Je peux dire ici, par exemple, vous ne verrez pas le patriarche Kengo Andondo candidat député. Oui, ça c'est vrai. Je doute fort qu'il soit aussi candidat sénateur. J'essaie de voir. Voilà. Mais regardez les politiciens de cette trempe-là, lorsqu'ils ne s'intéressent plus encore à la politique, ils doivent être remplacés. Vous comprenez? Il y a tant d'autres que je peux citer dans la classe politique comme ça, qui ne vont pas se représenter comme candidat député, comme candidat sénateur. Alors, ce genre de personnes doivent être remplacées. Et qui va les remplacer? Ce sont ces jeunes-là. Et les jeunes, lorsqu'ils vont se remplacer, ils vont prendre pour modèle ces gens-là, s'ils avaient bien travaillé. Et le fait de dire qu'on va renouveler la classe politique n'est pas remplacée que par l'âge. Ce n'est pas l'âge qui remplace la classe politique. Ce qui remplace la classe politique, c'est aussi une autre façon de voir les choses. On doit amener d'autres visions. Oui. On doit amener d'autres réflexions sur la place publique. On doit éviter ces genres de monnayage, d'émotions, de ces genres de débats qui finissent par des voies de fait, des débats qui finissent par des insultes, des appels au tribalisme. Et des choses comme ça. Vous voyez un peu. Donc on doit renouveler un peu la classe politique. Il y a ceux qui doivent laisser la classe politique par rapport à leur comportement qui est antisocial, qui doivent être remplacés par le vote sanction. Il y a ceux qui doivent être remerciés par le fait qu'ils ne se sont pas présentés et que l'âge leur a trahi. Et tout simplement, par le fait que, bon, la classe politique doit être renouvelée par plusieurs façons. Mais ce n'est pas le fait de l'âge, non. C'est au fait aussi par rapport à la mentalité, par rapport à la connaissance et les idées nouvelles qui doivent être apportées. On peut avoir 60 ans, 70 ans, mais lorsqu'on a des nouvelles idées qu'on doit apporter, on peut être voté. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a déjà fait preuve depuis 2006. Jusqu'à ce jour, il est toujours à l'Assemblée nationale, mais il n'a jamais présenté un projet de loi. Il n'a jamais voté une loi dans l'Assemblée. D'ailleurs, il se contente toujours de s'absenter à plusieurs reprises dans l'Assemblée. D'ailleurs, une telle personne, vous allez le prendre encore pourquoi? Tu as fait 5, 4 législatures, tu n'as rien produit.
Dans ton actif, il n'y a rien. Ce qui est là, c'est certainement que non, vous avez reçu vos émoluments, vous avez reçu le frais d'émission, vous avez tout ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous êtes productifs. Nous voulons maintenant les députés qui doivent voter des lois qui peuvent permettre que la République démocratique du Congo puisse se développer. C'est ça le renouvellement de la classe politique. Ce n'est pas par rapport à l'âge 18 ans, 20 ans, 30 ans, non. C'est par rapport à ce qu'on peut apporter comme innovation dans le travail qui doit être fait au niveau de l'Assemblée nationale. Après la publication de candidat par la CENI, il y a une polémique qui se vit autour du seuil de représentativité. Il y a, je crois, c'est l'AFDC et le MLC, MLCA qui sont en tête. Ça crée des polémiques. Du côté de l'UDPS, ils disent qu'ils sont le meilleur parti politique parce qu'ils ont atteint pratiquement 97% sur le seuil de représentativité. Est-ce que, à l'heure actuelle, nous devons faire un débat sur le seuil de représentativité ou dans nos partis politiques ou dans nos regroupements politiques, il faudra réfléchir sur ceux qui auront mandat du peuple. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour sortir ce peuple de la misère qu'ils sont en train de décrire à ce jour? Est-ce que le débat doit rester autour de nombre de candidats alignés? C'est ce qui justifie la force d'un parti ou autour des idées pour sortir la République démocratique du Congo du gouffre où il se trouve? Vous savez, l'objectif de tout parti politique, c'est d'abord de conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. C'est ça d'abord l'objectif d'un parti politique. Et par cet objectif-là, tout parti doit concourir à tout ce qui se prépare au pays, tout ce qui s'organise au pays comme élection, comme mode d'accession au pouvoir. Le débat doit tourner tout autour de comment conquérir le pouvoir et comment l'exercer et le conserver. Et aussi, nous devons savoir que la finalité de toute action politique, c'est la satisfaction de la population. Donc, lorsque vous alignez des candidats députés nationaux, vous alignez des candidats députés provinciaux, vous devez, dès le départ, former ces candidats-là, leur dire pourquoi vous êtes en train d'aller là-bas. C'est ça, au fait, c'est le travail que le parti politique doit faire. C'est ça le travail que le parti politique doit faire. Ce n'est pas de dire nous avons rempli les conditions, nous avons été retenus, nous avons. Non, oui, vous avez été retenus, oui. Vous avez rempli les conditions, oui. Vous avez atteint les seuils, oui, ça c'est bien beau. Nous acclamons votre organisation interne, vous avez abattu un grand travail pour votre parti politique, mais pas pour le pays. Maintenant, vous devez vous mettre au travail. Comme votre liste a été retenue, vous devez maintenant vous mettre au travail pour que ce travail qui a bénéficié à votre parti politique bénéficie aussi à la nation. Comment ce travail va bénéficier à la nation? C'est lorsque vous enverrez des gens qui vont faire réellement le travail qu'il faut faire. C'est-à-dire que vos listes qui sont retenues, que les candidats qui seront élus soient des meilleurs candidats et qui vont travailler en tenant compte de la volonté ou de la souffrance ou de la misère du peuple congolais dans lequel nous nous retrouvons il y a de cela plus de 60 ans. Alors, vous devez amener vos candidats dans cette logique-là. Et je demande à tous ces partis politiques de ne pas débattre sur le fait que nous sommes les meilleurs, nous avons fait ceci, nous avons fait ça. Non, c'est maintenant le temps d'appeler tous ces candidats qui se sont retrouvés sur la liste, commencer maintenant à les former. Parce que, je vous dis, je suis informé qu'il y a des partis qui ont ramassé des candidats de gauche à droite, qui ne sont même pas membres de leur parti, qui n'ont même pas l'idéologie du parti, juste pour remplir les conditions. Okay. Vous comprenez? Juste pour remplir les conditions. Je me rappelle lorsque j'étais encore, je crois, en troisième année primaire, il était question, parce que moi j'ai fait les études primaires au village, il était question que l'inspecteur de la CECOP, je crois, à l'époque où on appelait si c'est qui là, il devrait passer pour faire le contrôle de la
de la viabilité des écoles. Mais j'étais en troisième année primaire, je me suis retrouvé les jours du passage de l'inspecteur là, je me suis retrouvé en cinquième année. Tout simplement pour que la classe de la cinquième puisse avoir le nombre des élèves, vous comprenez, le nombre des élèves à même de dire que cette classe est viable. Donc, c'est-à-dire, on m'a pris en troisième année primaire, on a pris aussi d'autres amis avec qui on était en troisième, on nous a amenés en cinquième. Et lorsque l'inspecteur est entré en cinquième, on a trouvé que non, il y avait au moins 25 élèves, donc cette classe-là était viable. Et quand il est parti, nous sommes rentrés dans notre classe. C'est la même logique pour certains partis politiques. On a amené tout le monde, donc amené tous ceux qui veulent postuler là, parce que ce sont ces partis-là qui payent même la caution de candidats. Alors, amenons d'abord les gens pour qu'on puisse atteindre le seuil. Mais tous ces gens qu'on a amenés pour qu'on puisse atteindre le seuil, est-ce qu'ils ont l'idéologie de ces partis-là? Est-ce qu'ils savent le pourquoi ils sont allés postuler comme candidat député? Est-ce qu'ils savent d'abord ce qu'est un député et comment un député doit se comporter et qu'est-ce qu'un député peut faire à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils savent tout ça? Donc, je demande à ce que ces partis politiques retenus puissent former leurs candidats députés. Parce que vous allez le constater même par rapport à leur discours. Vous verrez même lorsqu'il y aura des campagnes électorales. Vous verrez que les gens vont commencer à amener des polos, ils donnent aux gens, ils vont amener des bassins de pain, ils donnent aux mamans qui vendent là, ils vont commencer à amener des pagnes pour donner à ces gens-là. Mais pendant tout ce temps, quand il n'y a pas encore la campagne électorale, ces gens-là s'habillent toujours avec leurs anciennes pagnes, et ils s'habillent toujours avec leurs chemises et tout ça. Ils n'attendent pas que ces candidats députés amènent des polos pour eux. Vous comprenez? Et vous le verrez dire que non, je vais mettre des ponts ici, je vais mettre du courant, je vais amener des cabines, je vais amener des tribunes, je vais faire ceci, je vais amener des disjoncteurs dans votre quartier. Ce n'est pas ça ce qu'un député peut faire. Vous aurez ça où? Vous allez amener ça avec quel argent? Donc, il faut que ces gens-là soient formés, même par rapport au discours qui doit aller au niveau de la population, pour dire à la population que non, moi, député tel que je suis là, voilà le travail que je vais faire pour vous. Je vais prendre vos soucis, les mettre sous forme de projet de loi, mettre sous forme de doléances de la population, amener ça au niveau de l'Assemblée, et l'Assemblée peut faire parvenir ça au niveau du gouvernement le plus rapidement possible pour que le gouvernement puisse regarder et donner des solutions à vos problèmes. C'est comme ça que les partis politiques doivent travailler. Ce n'est pas acclamer parce que nos listes sont retenues, ou soit dire que nous sommes les meilleurs parce que nous avons été retenus au niveau de la CENI. J'ai vu d'ailleurs, il y a plus que 66 plateformes, hein, 66 qui sont retenues là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, mais je demande à ce que dans les 66, que ces gens-là travaillent sérieusement, qu'on forme les candidats pour que même le discours qu'ils vont tenir devant la population soit un discours qui ne fait pas assez que qu'il y ait rupture entre l'Assemblée nationale et la population, entre les politiciens et la population. En regardant les listes publiées par la CENI, on retrouve que Bemba et Vital Kamerhe n'ont pas postulé pour les législatives. Certaines personnes pensent que si ces deux personnalités doivent aller en course, ce n'est pas pour les provinciales ou les sénats. Parce qu'ils ont déjà prouvé ou manifesté cette envie de briguer la présidence de la République. Du fait qu'ils n'ont pas postulé, est-ce que cela ne forme pas un danger pour le président de la République, surtout qu'ils sont proches de lui? En fait, j'ai entendu les gens parler de cette question pour dire que Bemba n'a pas postulé, Kamerhe n'a pas postulé. Certains parlent déjà d'une dislocation de l'Union sacrée. Voilà, parce qu'ils sont en train de se nourrir des ambitions. Dislocation de l'Union sacrée, parce que voilà, voilà, voilà. En fait, nous devons savoir une chose. Il y a ce que les gens disent et ce qu'ils veulent voir cette union sacrée se disloquer alimente la question pour créer un peu de frustration au niveau de la population. Et nous devons savoir que la politique, ce n'est pas ce que nous voyons là à la télé. Ce n'est pas ce que les gens nous disent là, ce que les gens nous racontent. Tous ces gens-là se rencontrent et discutent sur la politique de ce pays.
et chacun sait quel sera son sort après les élections de 2023. Et pour le moment, poster des photos, voilà, voilà, là où se prennent les décisions. Et pour le moment, et pour le moment, j'ai dit, quel que soit le candidat qui sera aligné comme candidat président de la République, par n'importe quelle formation politique, ce candidat va affronter le président de la République. Et le président de la République, pour le moment, n'a pas peur de n'importe quel candidat. Il n'a pas peur. Parce que... Qu'est-ce qui justifie cette assurance? Ce qui justifie cette assurance, c'est par rapport à ses réalisations. Par rapport à ses réalisations. Par rapport à sa politique. Vous comprenez? Par rapport à ses réalisations. Par rapport à sa politique. Par rapport à ce qu'il a comme soutien. Je vais vous dire que... Si aujourd'hui, M. Jean-Pierre Bemba se proclamer candidat député, le candidat à président de la République, M. Vital Kamerhe se déclarer candidat président de la République, ils n'auront que le membre de leur parti pour électeur. Et dans l'Union sacrée, il n'y a pas que Vital Kamerhe, il n'y a pas que Jean-Pierre Bemba. Mais il représente quand même une Vous force. Vous comprenez ? Il représente une force. Il représente une force parce que ce sont des grands partis politiques de notre pays. Il représente une force. Mais je vais vous dire aussi qu'en 2018, M. Jean-Pierre Bemba n'était pas avec le président de la République. Il était avec M. Martin Fayoulou. Et le président de la République n'avait que comme son soutien ici que nous avons vu, tout le monde et tout ça, on avait vu, c'était Vital Kamerhe. Et je rappelle aussi que Vital Kamerhe en 2018 était candidat président. Peut-être les gens ignorent ça. Il était candidat président. Mais en 2018, il était candidat président. Voilà. Il avait désisté au profit du président de la République. Il avait désisté, mais il a postulé en tant que député national. On peut aussi. Lui, il ne postule pas. On peut aussi. N'est pas postulé comme candidat député, n'est pas postulé comme candidat sénateur, mais servir le pays à d'autres postes. À d'autres postes. Parce qu'ils sont dans l'Union sacrée. Et l'Union sacrée a pour objectif l'élection du président de la République pour son deuxième mandat. C'est ça l'objectif de l'Union sacrée. Tout celui qui est dans l'Union sacrée, il est en train de soutenir le président de la République pour son élection au second mandat. Donc, ne pas postuler par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils ont donné la chance à d'autres candidats de leur parti pour qu'ils soient députés et servir la nation à d'autres fonctions. Parce qu'aujourd'hui, son Excellence Jean-Pierre Bemba n'est pas député national, il n'est pas sénateur, mais il est ministre de la Défense. Ce n'est pas pour dire qu'il ne sert pas son pays. Monsieur Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui ministre de l'économie. Il n'est pas député, mais il est en train de servir le pays comme ministre de l'économie. C'est-à-dire, même si on n'est pas député, même si on n'est pas sénateur, même si on n'est pas député provincial, on peut toujours servir son pays. Là où le président de la République juge bien de déplacer comme pion. Vous comprenez un peu? Donc, que cette question ne puisse pas pousser les gens à dire que l'Union sacrée est divisée. Ça, c'est un débat qui est en train d'être alimenté par les gens qui ne veulent pas voir les Congolais évoluer ensemble. Je suis tellement content du fait que dans la plupart des cas où on dit que les Congolais ne peuvent pas, où les Congolais ne peuvent pas se réunir, ils arrivent toujours à relever les défis et le Congo est toujours debout. Je suis vraiment content par rapport à ça. L'opposition se dit victime de... toutes les stratégies de la CENI et du pouvoir cherchant à leur mettre de côté, parce que déjà vous êtes sans ignorer, toutes les revendications de l'opposition ne sont pas prises en compte. L'audit du fichier électoral par une organisation indépendante qui n'a pas été faite, la réforme du bureau de la CENI qui n'a pas été faite, ils ont demandé aussi à ce que la Cour constitutionnelle soit revue. À ce jour, il y a deux opposants qui disent que tout ce que le régime est en train de faire, c'est une façon pour eux de leur ôter de la course. Je prends le cas Matata.
Il y a le professeur Kalouba, à l'époque à la Cour constitutionnelle, qui a dit que Matata ne pouvait pas être jugé. Nous tous, nous avons appris de ces éminents professeurs que la décision de la Cour est irrévocable, de la Cour constitutionnelle, est irrévocable. À ce jour, la même juridiction nous dit que Matata est justiciable devant la Cour. Et de l'autre côté, ils disent que c'est un acharnement pour l'enlever de la course. Nous prenons le cas Katumbi, qui se plaint. Je venais de lire une dépêche qui venait de sortir. Il y a, je crois, le procès de Salomon commence ce 17. Espérons que nous allons voir clair et savoir réellement qu'est-ce qu'il avait fait. Ils évoquent le cas Salomon. Ils évoquent le cas Mike Mukebai, l'assassinat de Chérubin. Ils se disent que c'est une façon pour eux, pour le régime, de fragiliser ensemble. Toutes ces revendications de l'opposition qui ne sont pas prises en compte, selon eux, ils pointent du doigt le régime. Vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous pouvez dire de tout ce qui s'est dit autour de l'opposition politique en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je demanderai à ce que sur cette question, que vous me laissiez beaucoup de temps. Oui, vous avez du temps parce que nous devons aussi aborder... Pour que je puisse vraiment m'étendre là-dessus parce que c'est une question très, très, très importante. Je vais commencer par dire ceci. Oui. De tous les régimes qui se sont succédés dans ce pays, s'il y a un régime que nous ne pouvons pas reprocher l'assassinat de qui que ce soit, c'est le régime de Tshisekedi. Pourquoi? Parce que nous en avons connu. C'est le régime de Tshisekedi. Je vais en venir. C'est le régime de Tshisekedi. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, un, depuis son enfance, Félix Tshisekedi a évolué au sein d'une formation politique qui n'a jamais été dans la rébellion, qui n'a jamais touché aux armes pour faire couler le sang des Congolais. Félix Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il était dans un parti politique qui prônait toujours la non-violence. Et je vous dis que son père avait toutes les possibilités possibles de prendre les armes dans ce pays et renverser le pouvoir de Maréchal Mobutu. Il ne l'a pas fait. Il pouvait le faire aussi pour renverser le régime de Moïse Kabila. Il ne l'a pas fait. Il pouvait aussi le faire pour renverser le régime de Joseph Kabila. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que l'attitude ou bien le comportement belliqueux n'est pas dans le chef du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est quelqu'un qui a évolué auprès de certaines valeurs qui prônent toujours la non-violence. Et je doute fort que Félix Tshisekedi soit violent pour faire couler le sang des Congolais que lui-même est en train de diriger. Alors, par rapport à ça, je viens pour dire que les revendications de l'opposition concernant l'assassinat de Chérubin Okende, le dossier est en cours et les enquêtes continuent. Nous finirons par savoir qui a assassiné Chérubin Okende. Et le coupable sera sanctionné sévèrement pour servir d'exemple et empêcher à ceux qui mijotent des choses dans le secret ou ceux qui cherchent à mettre le Congo à genoux par l'assassinat de ses dignes fils, pour appeler à ce que les gens puissent croire que c'est le régime, voilà, Félix Tshisekedi est en train de faire ceci, est en train de faire cela. Il avait toute cette possibilité de le faire, et je vous dis que Chérubin Okende ne représentait aucun danger pour le régime de Félix Tshisekedi. Alors je ne vois pas pourquoi ce régime pouvait mettre la main sur Chérubin Okende. Nous attendons que la justice nous éclaire là-dessus par rapport à cette question. Mais concernant les revendications de l'opposition à ce qui concerne l'organisation des élections par la CENI, qui consiste à dire que non, voilà, on est en train de s'acharner sur les opposants, oui, c'est ça pour qui nous empêcher de briquer le mandat suprême et tout ça, tout ça. Je vais vous dire ceci, que l'acharnement, c'est un mot politique. L'acharnement, c'est un terme politique. Vous irez aux États-Unis,
Trump est en train de crier à l'acharnement parce qu'il y a des dossiers judiciaires contre lui. Qui est porté à sa charge. Il y a des faits infractionnels portés à sa charge. Il est en train de crier à l'acharnement. Vous arrivez en France, Sarkozy, poursuivi par la justice, il crie à l'acharnement. J'ai essayé de chercher pour comprendre l'acharnement dans quel pays du monde cette expression-là ou ce mot-là, acharnement, est incriminé. Je vais vous dire ceci. En politique, l'acharnement dans le monde politique est permis. L'acharnement d'abord, vous devez savoir ça. Parce que tout ce que le politicien, les opposants sont en train de faire aujourd'hui, ils s'acharnent sur le président de la République. Quand il y a l'assassinat de l'honorable ou l'excellence Chérubin Okendé, qu'est-ce qu'on dit? Que c'est le président de la République. N'est-ce pas un acharnement? Quand il y a un problème, des accidents qui se commettent, qui arrivent de gauche à droite, on dit quoi? Le président de la République. N'est-ce pas un acharnement sur le président de la République? L'acharnement n'est pas interdit. Mais seulement ce que je vais dire, c'est que l'acharnement dont il est question, s'il est sur le plan politique, c'est de bonnes guerres. Parce que je ne laisserai jamais un adversaire politique prendre de l'ascendance sur moi. Je dois mettre mes batteries en marche pour que, s'il faut l'écraser politiquement, que je l'écrase et que je puisse remporter les élections. Écraser politiquement, mais avec des faits réels. Oui, mais c'est ce que je dis. Par exemple, je suis en train de... Pour éclairer ce que je suis en train de dire. Lorsque nous sommes en train de battre campagne pour les élections, lorsqu'on bat campagne pour élections, est-ce qu'on laisse la place à son adversaire pour prendre de l'ascendance sur vous? Non, sinon il va vous écraser. L'écraser, c'est-à-dire qu'il va remporter la victoire sur vous et c'est lui qui va diriger le pays et vous restez en train de le regarder. Le problème que je suis en train de dire ici, je crois que c'est avec vous d'ailleurs, avant même que cette question des élections soit soulevée par l'opposition et tout ça, on avait fait avec vous une émission où je vous avais dit que l'opposition doit s'organiser et préparer sérieusement les élections pour nous empêcher, pour nous éviter les discours de l'acharnement et non, voilà, nous on nous empêche de faire ceci, on nous empêche de faire cela. Je crois que c'était presque notre première émission avec vous. J'avais parlé de cette question. J'ai dit, le comportement de l'opposition maintenant, elle est en train de préparer tout simplement des revendications qui ne cadrent pas avec la réalité. Je viens à ces revendications de dire que non, on doit réformer la CENI, on doit réformer la Cour constitutionnelle, on doit auditer le fichier électoral. Mon frère, vous savez que la Cour constitutionnelle, pour la constituer, l'opposition telle qu'elle est là, elle a quel droit dans la composition de la Cour constitutionnelle? Elle a quel quota dans la composition de la Cour constitutionnelle? Je vous informe que le président de la République a un quota au niveau de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, la présidence de la République doit nommer 3 juges. Vous comprenez? Oui. 3 juges. Au niveau du président de la République. Et l'Assemblée nationale, qui a la majorité de l'Assemblée nationale? C'est le président de la République. Et cette assemblée doit désigner. Les juges qui seront désignés par le président de la République. 3. Et ceux qui seront désignés par l'Assemblée nationale, c'est la majorité qui va désigner. Et cette majorité va désigner les juges qui ne seront pas pour le président de la République. C'est-à-dire, même si on recommence la recomposition de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, le président de la République aura toujours ses 3 juges. On ne va pas changer la loi. C'est la loi qui dit que ça soit comme ça. C'est un faux débat. Et ce sont des débats qui cherchent toujours à faire traîner les choses. Parce que nous avons vu avec tout ce qu'on a fait ici, avec toutes les revendications, que l'objectif de l'opposition, c'est de voir la CENI ne pas organiser les élections. Lorsqu'il faut parler, par exemple, de la recomposition de la CENI, s'il faut recomposer la CENI, c'est-à-dire, on va faire quoi? On va enlever Kadima comme président de l'Assemblée et comme président de la CENI. On doit appeler encore les confessions religieuses. Les membres qui accompagnent Kadima à la CENI, ces membres-là ont été désignés par qui? Par le président de la République. Qui a délégué ces membres-là? Ils disent qu'ils ont été débauchés. Débauchés par qui? Parce que, et puis une chose, nous devons aussi comprendre une chose dans ce pays. Qui donne à quelqu'un la qualité d'un opposant?
qu'il y a une structure où quand vous entrez, vous êtes opposant. Quand vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas opposant. Non. Tout le monde, tout celui qui n'est pas avec le régime actuel, il est opposant au régime. Il est opposant. Et qui doit signer un document pour envoyer ces gens-là à la CENI? Tous ceux qui sont à la CENI là-bas, si, allez vérifier, vous verrez les AG Matembo et les autres, tous ces gens-là. Oui, les Manara, là. Tous ces gens-là, ils sont de l'IDPS. Est-ce que vous pensez qu'avec ces... Ou bien ils sont du MLC. Avec ce climat... ils sont de l'UNC. Vous pensez que nous... Ils sont des gens du PPRD. Nous aurons, avec tous ces... Le PPRD dans l'opposition. Vous pensez que nous aurons des élections apaisées? Je suis en train et je suis très confiant. Je suis très confiant. Je suis très confiant, mon frère. Je suis très confiant, mon frère. Et je continue toujours à vous dire que nous aurons des élections dans ces pays que nous n'avons jamais eu. Ça, je vous dis. Parce que le monsieur que vous voyez à la tête de la CENI, là, il connaît ce que c'est les élections. Monsieur, nous aurons des élections dans ce pays qui vont étonner même le monde. Mais je vais dire quelque chose par rapport au dossier Matata. Au dossier Matata, dossier Katumbi et tout ça, tout ça. Pour dire quelque chose par rapport au dossier Matata, vous avez dit que c'est ce qui est en train d'être dit partout là, que non, voilà, le premier arrêt avait dit que non, voilà, oui, Matata ne peut pas être justiciable. La même juridiction, nous dit aujourd'hui voilà, que Matata peut être jugé. Oui. Ce n'est pas une infraction lorsque la Cour dit ça. Parce qu'on a déjà expliqué ça à plusieurs reprises aux gens qui ont ce qu'on appelle virement jurisprudentiel, revirement jurisprudentiel. Et même par rapport, même pas ça, la Cour peut toujours se dédire lorsqu'elle constate que la première position prise n'était pas bonne. Mais la Cour se dédire quand on change l'animateur. Non, la Cour peut se dédire. Non, en fait, voilà aussi. Heureusement que vous avez posé une très bonne question. Vous m'avez donné aussi. La Cour se dédire quand on change l'animateur. Quand on change l'animateur. Voilà. Du côté de l'opposition, on dit que c'est lui qu'on a placé à la place de professeur. Voilà, vous savez, pour ceux qui sont dans ces domaines-là, pour les juristes, hein, ils savent que on peut avoir une décision de justice et cette décision peut être attaquée par une autre partie. Vous comprenez? Devant la même juridiction. Cette fois-ci, on va prendre d'autres personnes. Seulement de cette juridiction-là, mais d'autres membres. Et vous trouverez que la position peut rester la même, tout comme la position peut changer. Vous comprenez? Nous avons tous fait les droits, mais nous n'avons pas tous la même lecture des choses. Nous pouvons lire la loi avec vous, même la Bible. Vous verrez que le pasteur qui prendra Genèse chapitre 1er, il va expliquer de sa façon, et moi aussi quand je viendrai. C'est toujours Genèse chapitre 1er, j'expliquerai aussi de ma manière. Nous sommes des personnes distinctes, mais nous lisons le même texte, nous n'avons pas la même interprétation, nous n'avons pas la même compréhension. Ce qu'il faut dire ici, c'est seulement que la Cour a une position par rapport à la question de... Non, la Cour a une position, pas par rapport à la question de Matata, mais par rapport à un ancien premier ministre et un ancien président de la République. La Cour a une position par rapport à ça. Et la position de la Cour est puisée de la Constitution. Ce n'est pas une position qui vient de l'extérieur. C'est une position puisée de la Constitution. Vous comprenez? Ne soyez pas étonnés aujourd'hui, vous avez une affaire devant la juridiction, et le premier juge dit vous condamne, et le second dit que non, il ne vous condamne pas. Ce sont des juristes. Vous comprenez? Voilà. Le Kamere qui était condamné au premier degré, confirmé au second degré, à la Cour de cassation, il a été acquitté. Ce sont tous des juristes. Voilà. Merci beaucoup. Ce sont tous des juristes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On n'a même pas pu aborder le second sujet, parlant de la table ronde sur l'état des sièges. Je pense que nous allons vous récupérer du côté de la rédaction pour que vous puissiez expliquer cela dans notre journal télévisé. Vous étiez nombreux à nous suivre, nous vous disons merci. Je dis merci à toute la grande famille de FM Télévision,
avec cette surprise méchantant. Scandale, la chanson Joyeux anniversaire, j'ai eu des larmes aux yeux. Ça fait toujours plaisir au cœur et ça fait toujours plaisir quand vous êtes dans un milieu professionnel mais vous vivez en famille. Parce que ailleurs, mais ici c'est une famille, je vous dis merci. Et vous qui nous avez suivis, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Fondation Maloua Télévision. On se retrouve demain avec d'autres invités et le même plaisir. Bye bye.